capitaine Marie ne semble pas avoir trop de problèmes. Voilà. C'est bien joué pour Sandrine Costu. Michel, alors là, on a assisté à quelque chose dans ce premier set sans pouvoir revenir à la marque. C'est très bien frappé encore une fois. Oh là, allez, déchaîné, Marie-Pierce. Les points. Le même côté avec ce très puissant coup droit qui est parti très peu en dehors des limites du court. Oh là là. Très tôt, celle-là. Bien joué. Ah, voilà Sandrine Costu qui a enfin et dominé sur cet échange Marie Pierce. Là, on a retrouvé la vraie Sandrine. Elle nous a fait deux ou trois coups depuis le début de cette. Car c'est pris aussitôt que ce que nous avons vu faire tout à l'heure à Céleste, mais en plus, c'est frappé encore plus fort. Oh, magnifique, super. Elle a repris cette balle avant le rebond. Bien sûr. Ah, le contre-pied. Elle est revenue très. Voilà, première manche pour Marie Pierce en 23 minutes, 6 jeux à 1. C'est sévère, mais elle a tellement bien joué, Marie Pierce, dans ce premier set. Impressionnante. Deux balles de break. Ça, c'est bien fait. Je n'ai pas vu partir. Ouais. Sandrine Costu non plus, jusqu'à la. Que je trouve très plaisant là chez Marie aujourd'hui réellement. Que c'est bien joué tout ça. Là aussi c'était très bien joué, c'est super. Formidable. Elle est ravie, Marie, elle est dépitée, Sandrine, mais nous assistons quand même à un tennis superbe, même si Sandrine Costu n'arrive pas à développer son jeu comme elle l'entend. En tous les cas. Terrible. Le deuxième dans ce match. Terrible. Quel coup de canon, c'est incroyable. Ah, elle n'a même pas le temps de démarrer, Sandrine Casa. Eh oui, et là, ça ne pardonne pas en s'excusant. Quelle puissance.
Voilà, bien joué Sandrine Testu. Voilà un jeu parfait pour Sandrine, heureuse. Et elle réclame même quelques... On peut le dire, trois jeux à deux, Jean-Paul. Mais Marie Pierce, décidément très, très impressionnante. C'est du très bon tennis de Marie Pierce, tel que vous venez de le voir à l'instant même quand nos caméras reviennent sur le court. Une accélération de Marie Pierce, comme il y en a eu beaucoup, beaucoup. Une belle... Pleine ligne. On aura l'occasion, voilà qui est fait, de nous proposer de bien beaux ralentis pour voir la précision. Deux matchs en 5-7, terrible avec 4 tie-break sur 2 matchs en 5-7. Eh bien, il est épuisé et peut-être pas suffisamment prêt. Et voilà que maintenant Sandrine Testu enfin arrive ici sans être en parfaite condition. Oh là là, c'est vraiment super. Elle est bonne, eh oui, elle a hésité, Sandrine Testu, elle a regardé. Oh là 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 là. Cette saison et ce coup très très court, regardez juste. Oh là là, c'est exceptionnel. Vous voyez, quand elle peut frapper Sandrine, c'est bien. Elle va l'avoir. Ouais, c'est fini. C'est bien. Oh non, un peu près. Elle a hésité, elle ne savait pas si elle... Voilà, là il n'y avait pas de précipitation. Elle ne peut pas rater, hein. Elle est vraiment tellement précise dans son placement. Il n'y a pas de doute, ça doit rentrer dans le cours. Et on sentait que Sandrine Testu ne pouvait que remettre la balle dans le cours. Bon. Elle est bonne. Avec un peu de chance. Elle sourit, Marie. Oui, oui. Elle est même passée de l'autre côté. Sandrine aussi. Voilà un petit moment de détente. 40 à. Non. Et si, elle est bonne, bien sûr. Ah. Nouvelle égalité alors que Marie Pierce montre. Voilà que Sandrine se met à prendre l'initiative. Et faute. Et voilà, c'est fini. Marie Pierce qui gagne 6-1, 6-3. Meilleure résistance de Sandrine Testu dans le deuxième set. Mais incontestablement, Marie était nettement supérieure. Elles s'embrassent, elles sont amies, elles sont ensemble en équipe de France. Et qui, elles disputeront ensemble la Coupe de la Fédération en juillet. Ce sera à Nice. Et c'est Marie Pierce qui affrontera au prochain tour Monica Seles. Il faudra réserver ses places car ce sera un match que l'on a